Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. L'objectif ici de la vidéo va être de vous présenter comment déterminer les coordonnées des points d'intersection entre deux droites. Donc ici, pour démarrer, on va définir comment on vérifie facilement que deux droites déjà sont séquentes pour qu'elles puissent avoir un point d'intersection. Donc ici, on définit une droite D1 et D2 qui vont avoir respectivement un vecteur U et V comme vecteur directeur. Eh bien, deux droites D1 et D2 sont séquentes en un point, si et seulement si leurs vecteurs directeurs U et V ne sont pas collinéaires. Donc ici, on va traiter sur deux exemples. Donc sur le premier exemple ici, on définit la droite D1 qui est 2x moins 3y moins 1 égale à 0, une droite D2 qui fait 3x moins 4y moins 2 égale à 0, et on cherche ici à savoir les coordonnées du point d'intersection entre ces deux droites. Donc pour démarrer, donc la première étape, on va s'assurer qu'elles ne sont pas parallèles. Donc pour ce faire, on va définir U1, le vecteur directeur de la droite D1, qui est aussi en l'occurrence moins BA, donc 3 et 2, et U2, le vecteur directeur, un vecteur directeur de la droite D2, ici en l'occurrence 4, 3. Donc on a vu une vidéo qui nous explique comment on détermine à partir de l'expression cartésienne d'une droite son vecteur directeur. Donc là, je l'ai directement appliqué. Donc on va vérifier si ces deux droites, leurs vecteurs directeurs sont collinaires. Donc ici, on applique le principe de collinéarité. Donc x, y prime moins x prime y égale à 0. Dans le cas où c'est collinéaire. Donc on a 3 fois 3 moins 4 fois 2, donc qui nous fait 9 moins 8, qui nous donne 1. D'accord ? Donc ici, on a bien le test de collinéarité qui n'est différent de 0. Donc les vecteurs U1 et U2 ne sont pas collinéaires. Les droites D1 et D2 ne sont pas parallèles. Autrement dit, les droites D1 et D2 sont séquentes. Et donc maintenant, comme elles sont séquentes, je reviens sur le schéma. On va faire un système linéaire, un système de deux équations, deux inconnues, où la première ligne de mon système, ça va être la droite D1, et la deuxième ligne de mon système, ça va être la droite D2. Donc ici, on a la résolution de mon système. Donc j'écris bien mon système linéaire avec ici la droite D1 sous forme cartésienne et ici la droite D2 sous forme cartésienne. Et ensuite, il existe deux méthodes pour résoudre un système. Soit on effectue la méthode par substitution, soit on effectue la méthode par combinaison. Donc en fait ici, on va plutôt appliquer la méthode par combinaison qui est plus simple. Donc la méthode, c'est de faire quoi? C'est de choisir une inconnue que l'on veut supprimer. Donc ici, dans la vidéo, je vais vouloir supprimer les x. Donc quand je vais supprimer les x, j'explique la méthode, eh bien je prends le coefficient qui est devant le x ici qui est 2. Eh bien je vais multiplier la ligne 2 par 2. Je prends le coefficient qui est devant le x ici qui est 3 et je vais multiplier cette première ligne par moins 3. D'accord? Donc je prends le coefficient qui est devant le x ici 2. Je multiplie cette ligne-là par 2. Le coefficient qui est devant le x ici, qui est 3, je multiplie cette ligne première par moins 3. D'accord? Donc, c'est ce que je fais ici. Ça marchera tout le temps, cette méthode-là. Donc, je vais multiplier toute la première ligne par moins 3. Donc, tous les coefficients de la première ligne par moins 3 et tous les coefficients de la deuxième ligne par 2. Là, on a des zéros à la fin, donc ça marche. Mais si on avait eu, par exemple, 1, il aurait fallu multiplier ce coefficient-là par 2 également. Donc, je multiplie tout par moins 3 la première ligne, tout par 2 la deuxième ligne. Donc, je fais les calculs pour vous. On l'obtient ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner les deux lignes. Donc, je vais réécrire en dessous un système. Et dans mon système, dans la première ligne, je vais réécrire la ligne de départ pour avoir en termes de rigueur de présentation. Et la deuxième ligne, ça va être la somme de ces deux lignes-là. D'accord? Donc, j'écris la première ligne de mon système initial. Donc, 2x moins 3y moins 1 égale à 0. Ensuite, je vais faire moins 6x plus 6x, que j'écris ici. Hein, donc, 6x moins 6x. Ensuite, 9y moins 8y que j'ai écrit ici. Et 3 moins 4 que j'écris là. D'accord? Donc j'additionne les deux lignes. Comme ça, les coefficients devant les x vont se supprimer. Il n'y aura plus de x. Donc ce qui nous donne en l'occurrence ici, après simplification, y moins 1 égale à 0 pour la deuxième ligne. On réécrit la première ligne, toujours celle initiale qu'on avait dans notre système. C'est toujours pour la présentation. Donc si y moins 1 égale à 0, ça veut dire que y est égal à 1. Et comme on connaît maintenant la valeur de y, on va pouvoir substituer dans la première ligne la valeur du y ici par 1. D'accord? Donc, ce qui nous donne ici 2x moins 3 fois 1 moins 1 égale à 0, puis y égale à 1. Et grâce maintenant à la première ligne, on va pouvoir trouver la valeur de x. D'accord? Donc, 2x moins 4 égale à 0. Donc, y est égal à 1. Autrement dit, x égale à 2 et y égale à 1. Et donc, ici, on a les coordonnées de notre point d'intersection. D'accord? Dont les coordonnées ici vont être 2 et 1. Et ce point-là, on va l'appeler i. Donc ça, c'était sur un premier exemple. On va faire ensemble sur un deuxième exemple.
Donc ici, on a deux droites, D1 et D2, dont on a donné leur représentation sous forme cartésienne. Et on cherche à savoir si elles admettent ou pas un point d'intersection. Donc, pour s'y prendre, on vérifie toujours la première étape, est-ce que les droites, elles ne sont pas parallèles? Donc ici, on définit les deux vecteurs directeurs. Donc pour U1, c'est moins 2, 1, donc un vecteur directeur. Et pour U2, 3, 2, donc toujours un des vecteurs directeurs, je vous rappelle, c'est moins BA. Donc maintenant, on a nos deux vecteurs directeurs. On va vérifier, est-ce qu'ils sont collinéaires? Donc on applique le principe de collinéarité. Donc moins 2 fois 2, moins 3 fois moins 1. On réduit. On trouve que c'est égal à moins 1. Donc c'est différent de 0. Les vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires. Les droites, elles ne sont pas parallèles. Autrement dit, les droites sont sécantes. Donc, comme elles sont sécantes, on va pouvoir résoudre un système. Première ligne de mon système, l'équation cartésienne de la droite D1. Deuxième ligne de mon système, l'équation cartésienne de la droite D2. Donc ici, voilà mon système. Je veux supprimer les x. Eh bien, la méthode, je rappelle, le coefficient devant le x, c'est moins 1. Je multiplie la deuxième ligne par moins 1. Le coefficient de la deuxième ligne, c'est 2 ici devant le x. Je multiplie la première ligne par moins 2. D'accord? Donc, je le crée ici. Si j'avais voulu, par exemple, supprimer les y. Donc là, je le fais à l'oral. Hein. Eh bien, comme le coefficient devant le y ici, c'est 2, j'aurais multiplié la deuxième ligne par 2. Le coefficient devant le y ici, c'est moins 3. Je multiplierai donc la première ligne par son opposé qui est 3. D'accord? Donc là, nous, on a voulu supprimer les x. Donc, je réexplique. Devant le x, on a moins 1 dans la première ligne. Je multiplie la deuxième ligne par moins 1. Le coefficient devant le x ici, c'est 2. Dans la deuxième ligne, je multiplie la première ligne par moins 2. Donc, je fais le calcul pour vous. Maintenant, on va pouvoir additionner les deux lignes. Et dans la présentation, je vais reprendre la première ligne initiale de notre système et la deuxième ligne va être la somme de ces deux lignes-là. Donc ici, ça va nous donner donc, la première ligne du système initial. Ensuite, on a bien 2x moins 2x que j'ai écrit ici. On a bien moins 4y plus 3y que j'ai écrit ici et 2 plus moins 1 que j'ai écrit ici. Ensuite, je réécris mon système en gardant la première ligne ici. Et ici, je vais simplement additionner ces deux lignes-là. Il va me rester à la fin moins y plus 1 égale à 0. Et donc, si moins y plus 1 égale à 0, ça veut dire que y est égal à 1. Et comme y est égal à 1, je vais pouvoir remplacer dans la première ligne ici le y par 1. D'accord? Pour avoir la valeur de x. Ce qui va me donner ici moins x plus 2 fois 1 moins 1 égale à 0. Donc, autrement dit, après réduction, moins x plus 1 égale à 0. Donc, x égale à 1, y égale à 1. Donc, les coordonnées ici du point d'intersection entre les deux droites D1 et D2, c'est le point I, on lui donne un nom, le point I dont les coordonnées sont 1 et 1. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.